petit jeu, quel personnage historique souhaiterais-je rencontrer? Je crois bien que Sitting Bull, taureau assis, ce héros des résistances indiennes, ferait partie de mes personnages favoris. C'est un homme extraordinaire que raconte Farid Hammer dans son livre Sitting Bull, héros de la résistance indienne que nous avons publié en texto. C'est vraiment le héros de cette résistance incroyable face à la colonisation de leurs terres, notamment les Black Hills, riches d'or et d'argent, que cette épopée en définitive de résistance acharnée qui va se concrétiser par la fameuse bataille de Little Big Horn, où ce héros légendaire, le colonel Custer, est battu par les troupes de Sitting Bull et qui va, quelques années plus tard, se terminer tragiquement par le massacre de Wounded Knee, où ce sont des mitrailleuses Hotchkiss qui vont décimer les Indiens. Cet épisode de la guerre indienne n'est pas le plus brillant de l'histoire des États-Unis, loin s'en faut. C'est une espèce de holocauste, là encore, où, par l'appât du gain, les troupes américaines, colonisatrices, ont décimé les habitants de ce pays. Et la fin tragique de Sitting Bull, assassiné par certains de ses anciens compagnons passés du côté de l'armée américaine, est une tragédie qui est susceptible de vous faire verser quelques larmes. C'est un livre historique important et en même temps très émouvant. Voici donc la couverture de ce livre épatant dont je vous recommande vivement la lecture.